C'est le R&D que je laisse un petit peu. Putain, 100 millions de bordel. Ah bah, Ice Hunter 2, tiens, on en parlait. Vous avez dit qu'il allait sortir du marché. Du coup, là, je me retrouve avec ces 20 salariés qui font rien. Donc, il faut que Ice Hunter 3, ça sorte. Putain, puis j'ai oublié de... J'ai oublié de faire ça. Bon, alors, du coup, au niveau de mes filiales, c'est bon, hein, j'ai tout le monde à 4 étoiles. Ça me coûte combien pour les passer à 5? C'est 100 millions. non, hein, pas tout de suite, on va attendre. Pour le moment, on va rester sur du 4 étoiles, hein, c'est pas très grave. Puis on va commencer à racheter. Mais bordel, mais pourquoi tu veux pas être racheté? Bien. Et voilà. Vous voyez qu'on arrive à parlementer un peu. Regardez ça, j'achète directement un 4 étoiles. Puis voilà. Donc apparemment là j'ai Blue Ocean qui va m'envoyer un jeu dans peu de temps là. Bah, pas de bol pour Blue Ocean. Du coup. En vrai, mon jeu en dev là, Ice Hunter 3, hein. Voilà, ouais. Et puis, Wizard 5, il en est où? Ouais, il est sorti il n'y a pas trop longtemps encore, je peux le lancer. Bon, ok. Ça va. Normalement, ça va. Là, ça dépote pas mal, hein. D'accord. J'ai des jeux qui arrivent, quoi. Petit coup. Civilisation 2. Alors celui-là, s'il est aussi bon que le 2. Parce qu'il avait décollé, lui, le 2, il avait décollé.
On vend tout, frérot. Même les grosses merdes, on les vend. Après tout, il y en a bien qui arrivent à vendre du NFT. J'ai essayé aussi, hein. Je dis rien. Ouais, trop fort rien, j'ai juste vendu deux photos, moi, à la con. Enfin, j'ai essayé de vendre deux photos à la con. Continue le développement. Après, je dis ça, mais j'ai même pas regardé en fait si ça m'avait rapporté quelque chose cette histoire. Ça sort en parlant là, je sais pas pourquoi, ça m'est revenu à l'esprit. Faudrait que j'aille voir. Mais non, à mon avis, c'est mort. Eh ben, bon, pas le jeu de l'année. Bon, bah écoutez, genre. Oh, des romans visuels. Mais pareil, hein, ça sur Steam aussi, on en trouve des millions. Enfin, des millions, j'exagère un peu, mais des visual novels, il y en a plein. C'est pas un genre qui me plaît énormément, moi, mais il y en a beaucoup. Surtout parce qu'il faut réussir à se démarquer, quoi. Le dernier cas marqué, honnêtement, je pense que c'est Doki Doki Literature Club. Mais qui aborde des thèmes extrêmement sombres, quoi. Coucou. Le bordel. Triple housse, triple bouse, oui. Bah écoutez, ça commence à... Le rachat se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Ah oui, ok. Bon, il y a encore quelques-uns là, va falloir que... Hop. Paramètres de l'atelier, appliqué à toutes les filiales. Ok. C'est parti. Eh ben, hé, la vente en démat, c'est le mois prochain. Distribution. Enfin, c'est l'année prochaine, je veux dire. C'est l'année d'après. Bon. Il y a encore des bugs hein, là-dedans. Je crois que ça s'appelait Jack and Dexter, le jeu que je... Parce que je vois Jack and Max, là. Je crois que ça s'appelait Jack and Dexter, le jeu en question. J'ai un doute. Ok. À 2%.
1 600 000 fans. Bon, bah pour le moment, on va se lancer dans les thèmes. On va en lancer quelques-uns, on verra bien. Je crois qu'il va falloir. Honnêtement, je commence à être serré là. Regardez, par contre, les jeux de l'année, ça vient pas, hein. Prima, terminé. Ice Hunter, il est prêt. Non, alors avant de faire ça. Parce que. Ok, hop. Les rapports. Parce que là. Pas tout ça, mais c'est que ça commence à. Oxford Extreme. Je savais même pas qu'on en vendait ça. Je vois des noms de jeux, je savais même pas qu'on les vendait. Man, là, c'est. Ah, les free to play. Eh, ça y est. Ah, ça y est. Ah. On a les versions des maths. C'est-à-dire que même si on vend pas, on peut toujours vendre en des maths. Enfin, même si. Enfin, en vrai, ça a augmenté masse. Attendez, hop. Du coup, on va s'amuser un petit peu. Alors, il faut que vraiment que... c'est les options d'emballage. Voilà. Va falloir tout resélectionner. Et rajouter des maths.
c'est bon. Donc ça c'est ok. Voilà le blé. Bon. Là, il y a ça et il y a... Je prends cette politique-là. C'est les cosmétiques, les montures et les boosters sont payants. Et là, on va regarder la moula augmenter, mais massivement. Qu'est-ce que... attendez. J'ai eu un souci. Attendez. Parce que j'ai cliqué sur le menu, mais en même temps, j'ai une fenêtre qui est apparue. Du coup, je peux plus sélectionner mes menus en bas. C'est bon. Mince. Attendez. Hop. C'est bon. Du coup, j'ai deux jeux qu'il faut vendre. Killers. Et matériel machin. Ok. Donc ça pareil. Donc ça on va devoir de temps en temps y aller parce que donc ça nous rajoute une petite étape à faire hein, pour la vente. Mais on a 20 semaines pour réagir, honnêtement. Je peux me dire, tous les 20 semaines, j'y regarde rapidement, comme ça. Comme ça rattrape le coup. Du coup... Hop, on va développer ça.
On a développé tous les thèmes. Est-ce qu'on commence à développer un peu le matériel? Coûte cher. Mince. C'est pas ce que je voulais. Ouais, alors dans l'autre sens. Parce que le truc le plus haut est à 9 millions quand même. Mais je suis sûr que de toute façon il va aller rechercher dans l'ordre en plus. Parce que là si je clique sur ça, il va pas l'accepter. Putain si. Bon, bah let's go. On va commencer à chercher pour faire des... Pour faire des... Oh. Pour faire des consoles. Et on recrutera du personnel pour ça. Décidément, il y a tous les jeux qui arrivent là. Bon, allez, au stop là parce que là ça fait beaucoup là. Du coup, on a Columnas pour commencer. Donc Columnas, c'est bon. On a Rappelia Reaper 4 là. Donc lui c'est ok. On a Cell Captain. Et pour finir War Warrior. Non c'est War Worm c'est ça. Ouais ok je sais pas pourquoi j'ai lu Warrior. Hein. T'as 4 jeux d'un coup là. La violence. Bon, 400 millions. Voyons un petit peu. Alors, je vais mettre en pause à chaque fois que je vais faire ça parce que. Hop. Après. Parce qu'à chaque fois, je tape dans le bas en premier, hein, mais... Non, mais lui, il a que 2 étoiles, il vaut rien. Parce que t'as fait qu'un jeu. S'ils ont fait qu'un jeu, ils peuvent pas être achetés, c'est ça? C'est ça le délire? Apparemment, c'est ça le délire. Lui, il a fait 17 jeux, il veut bien être acheté. Ça commence vraiment à devenir cher par contre. Après 3D Reality, l'avantage c'est que j'aurais pas d'investissement à faire sur lui. J'aurais pas d'investissement à faire sur eux. Donc c'est ça qui est bien. J'ai un petit peu d'investissement à faire sur
sur quatre d'entre eux là, mais ça c'est pas. Enfin, c'est... Ça pèse un peu, hein, mais. Ça pèse un peu dans le budget, mais c'est trop fort rien. Pas trop fort rien. En vrai, lui, je peux même le faire. Ah non, il n'accepte pas quand même. Ok. Bah ça. Oh là 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 là, c'est. Ça arrête pas, ça n'arrête pas. En même temps, je l'ai voulu, hein. Du coup. Donc, Civilization 3, c'est bon. Watercorn, c'est bon. Il me faut Helio. Ouais, c'est celui-là. Laissez-moi respirer. Et je suis full. Je suis full, je suis full. Je crois que je suis full en... parce que là j'ai Masked. Oh putain, puis qu'un patch en plus à la con. Bon, j'aurais pas dû l'accepter. J'ai mes Quarriors, c'est ça, c'est l'autre, c'est ça qui est en dessous, ouais, c'est ça. Donc, du coup, je suis obligé de remarquer 2000 ici et 1000 ici. Ok. Bon, je suis pas fou. Il me reste. Bon, on va refaire des salles. Oh merde. Bon, on va en refaire, hein, pas le choix. Hein. De toute façon, pas le choix, j'ai envie de dire. Après, la question, c'est est-ce que je peux... si je fais ça, attendez. Studio Graphique Production. Si je me mets là comme ça. Ouais, je peux relancer quelques salles comme ça ici. Non, du coup. Il manque une porte, évidemment. Oui, bah oui, porte évidemment que je vais mettre comme ça, du coup. Puis je vais faire quelques salles comme ça, hein. Pas vraiment le choix. On va en faire autant qu'on peut.
Puis là, on peut en caser encore une cinquième. Mince. Je me suis pas remis en clavier américain, c'est pour ça que je galère un peu parfois avec les déplacements. Production. Mais ouais, nickel. Voilà, comme ça je peux tolérer 5 jeux de plus. Voilà. C'est un enfer, mais c'est pas grave. Oh, un roman visuel. Sympa la miniature. Ok. Oh, ça a l'air d'être un sacré roman visuel, dis donc. Ça a l'air d'être un sacré roman visuel. Ça a l'air d'être un truc encore. Ouais, genre de truc qu'on trouve sur Steam, quoi. Désolé, je taille beaucoup sur Steam alors que la plupart des jeux. Ce jeu-là, même, je l'ai acheté sur Steam. Hein, je suis désolé, j'en vois un petit peu sur la tranche de Steam en ce moment, mais j'ai découvert des jeux sur Steam, franchement, vous êtes pas prêts. Je peux pas les mettre sur YouTube. C'est débile. Enfin, c'est débile. C'est pas débile, c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, j'ai bien fait de faire des nouvelles salles de prod. Par contre, attendez, je suis légèrement de travers, ça m'ennuie. J'essaie de bien remettre la caméra. Ouais, comme ça. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Encore, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Alors. Là, j'investis, mais ça rapporte peu, là. Enfin, ça. Si, ça rapporte quand même, mais voilà. On va jeter un œil, quand même, rapidement. Aux achats intégrés, quand même, parce que faut. Il y en a qui n'ont pas d'achat intégré, c'est bizarre. Parce que ça doit pas être dans les techs. Parce que dans les techs, ça doit pas être intégré. C'est pas grave. J'ai la place pour 3 jeux là. Hein. Tu sens l'enfer arriver, c'est. Ah, ça y est! J'ai une machine qui vient de se libérer. Au bout d'un moment, je vais plus pouvoir produire et je vais. J'étais obligé de vendre quand des maths.
Tant pis, on en voit que des jeux un peu chelous, j'ai l'impression, hein. Ah, jeu de puce, je suis dans la merde. Ah, je suis dans la merde. Ça va. Mais ça y est, toutes mes salles sont pleines. Est-ce que je produis encore? Est-ce que je fais encore des salles, du coup? FX. Et ramping. Je produis quelques salles en plus? Je crois que je vais pas avoir le choix, hein, de toute façon. Hein. En vrai. Si je veux continuer à vendre en matérialisé, parce que là, de toute façon, même si le démat, en vrai, c'est du bonus, hein, mais vendre qu'en démat, un peu compliqué. Ah non, il tolère pas que je fasse ça. Bon, bah, c'est pas grave. Plus tard, ça. Hop. Allez, on va en faire une autre. Quand je bouge d'autres pièces. Falloir que je bouge ça là-bas pour pouvoir faire d'autres emplacements. Allez, c'est parti. Mais c'est la fortune là. Là, c'est la. C'est. Ça devient débile, quoi. Et le pire, c'est que je vais encore racheter des concurrents, quoi. C'est-à-dire encore plus de jeux. Bon. Je peux accueillir trois nouveaux jeux. Oh putain. Qu'est-ce que je fais? Je le vends quand même? En vrai, je devrais le vendre quand des maths. Oh, c'est pas grave. On a dit qu'on vendait tout. Donc on vend tout. Ça non. Ouais, j'ai dit tout, ouais, presque tout quoi. Les trucs chiants, on va éviter quand même. C'est le dernier jeu que je peux prendre pour le moment, hein. Après, si je prends d'autres jeux, c'est en démat. Ah, Times 2, ouais, non. Vu la boost qui était le premier. Vas-y, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, on est full. Ce sont les filiales qui vendent les jeux, après tout, hein, ce sont leurs jeux. Hein. Ah. Bah, c'est con. À une seconde près.
Mais là, on va devoir gérer avec les... avec ce qu'on a, quoi. J'ai encore une salle de libre, là. Pour là. Quoi? Qu'est-ce que... Oh! Ça, c'était pas prévu. Alors que c'était évident, hein. C'était évident que ça allait arriver. On sait pas très... C'est pas dramatique, j'ai envie de dire, hein. C'est pas... Mais Bon, hé, casse les burnes. Le truc, c'est qu'en mode édition, on peut pas les replacer correctement, ces trucs-là. Voilà, quand même. Hop, salle de stockage. De toute façon, il va falloir que je fasse un tour dans ma salle de stockage, je pense. Pour vendre des vieux trucs. Oh, ça me casse les couilles. Non, ce truc-là, je vous jure par contre que c'est chiant de placer les trucs un par un là. Ça c'est super agaçant en vrai. C'est super mal fait. C'est pour ça que j'avais prévu une grosse salle de stockage. Hein. Je... Mais je maintiens que le clic maintenu glissé aurait été mieux. Ça saoule. Ok. Ok, allez, je laboure complètement, comme ça ce sera fait. Et je peux même pousser le vis jusqu'à la prolonger un poil. Vas-y, let's go. Let's go, ce sera fait. Ah, je peux pas. Ah oui, je peux pas à cause de... Ouais, enfin, je peux faire comme ça. Ça fera un peu de case en plus, quoi. Parce qu'il y a une entrée là.
Ah, puis attendez, hop, voilà, 3 de plus. Voilà. Je peux pas mieux faire. Il est bien celui-là. Masters on Times. Eh ben celui-là, il part directement déjà. Voilà. C'est lequel qui a une grosse bouse? Qu'il faut faire attention. Je sais plus. Ben on va le voir. Celui-là est bien. Celui-là est bien aussi. Allez, hop. C'était Squash qui est caché. Moi, Squash, j'ai envie de voir. Hein. Moi, Squash. Le pire, c'est qu'il va réussir à être rentable quand même, je crois. Ah, ça va être terrible pour le rentabiliser, mais c'est faisable. C'est pas où j'en suis au niveau de mes salles. Ouais, mais j'ai 20 semaines pour essayer de libérer une pièce de sang. Allez, on va essayer. Ah, si. J'ai encore de la place. J'ai encore de la place, ça va. C'est Warlords, hein. Il me reste une pièce. Il me reste une salle. Deux salles. Je sais pas où la deuxième, elle est là. Parce que j'ai des jeux qui arrivent et des jeux qui ressortent, donc c'est ça va. Ça va. Je pense que je manque de robots. Je pense que je manque de robots. Et il va falloir que je. Alors, eux, on va annuler la tâche. Et ils vont s'occuper. Alors. Eux vont s'occuper de la convention et eux vont s'occuper du service client. Parce que je commence à avoir beaucoup de courriers. Il y a ça et. Bon, Squash, il va être rentable de très peu, mais il va l'être. Et il faut que je check rapidement les achats intégrés. Parce que là, il y en a plein là. Dommage qu'on puisse pas appliquer automatiquement cette politique. Warworm là, ça doit mal se passer ce truc là. Que j'ai pas vu que c'était un MMO. Ils en ont rien à foutre apparemment. Et ça, à la limite, je m'en tape, mais je vais pas faire une salle serveur maintenant. Enfin, du moins, je compte même pas en faire en fait.
Parce que dans le jeu, en vrai, je l'ai essayé sur ma partie, sur mon autre partie, et ça rapportait rien du tout. J'ai pas de dev, j'ai pas de jeu en dev. Oui, j'étais en train d'améliorer les moteurs. Du coup, on va déjà améliorer les moteurs existants. De toute façon, voilà, hein, je fais de la vente et tout. Du coup, on va. Ah. Ok. On va repartir sur de la gestion. Enfin, sur les filiales. Sur les filiales. Est-ce que j'avais encore un à passer à 4 étoiles? Donc, on va le faire tout de suite. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, éditeur de jeu. Enfin, éditeur et tout. Voilà. Alors, maintenant que vous êtes à 3 jeux, est-ce qu'on peut vous acheter? Oui. Quand même. À 2 jeux, est-ce qu'on peut vous acheter? Oui. Bon, les derniers réfractaires, là c'est bon. Hein? Bon, ok, lui il veut pas. 105 millions. Ouais, mais il. Alors, je vais voir. Je vais voir après. Là, pour le moment, j'ai déjà investi dans les autres. Dans l'autre, en fait. En vrai, let's go. Alors, let's go, oui et non. Ouais, si. Hop. Ah, alors celui-là, il veut pas. Cent cinq. Eastwood. Aïe. Bon. On a acheté des gros studios là, hein. On a racheté des gros studios. Alors, par contre, on va faire un truc. Ça, on n'autorise pas. Et ça non plus, ça non plus. Je veux plus de MMO, je veux pas de FPS. C'est trop enquiquinant. Ça me demande d'avoir une seule serveur et je peux pas. Enfin, je peux. C'est pas la question, c'est que je veux pas. Enfin. Bon. Ah, objet de niveau 4. J'ai 142 millions. On va attendre d'être à 200 000 avant de faire l'augmentation. Ça, hein, c'est double bubble 3, hein. Le marketing des streamers.
Toujours pas fait de solde de marketing, on fait sans. Allez, on tente. Ça va? Bon, je te préférais en bleu les machines, hein. En rouge, elles font vraiment beaucoup plus indus. Squash. Cette grosse merde. Bon, allez, hop. Mais au moins, c'est réglé et ça nous libère une salle. Parce qu'au bout d'un moment. Ok, donc c'est bon. C'est ces petits jeux-là qui sont en train de partir. Ouh.